département des NIP, par exemple, nous gagnons 9 autobus pour le département et toute commune dans le département ça couvrit. Nous la grandeur avec 15 autobus, nous dans le centre avec 16 et nous avons signalé que dans le département du centre, nous pouvons arriver à Savanette pour le moment. Nous dans le nord-ouest avec 21 autobus, toute commune département nord-ouest est couvrie actuellement. Nous dans le sud avec 34 autobus, dans le département du sud, c'est seul l'île à vache qui part qu'aucun autobus. Et déjà, année scolaire ça, l'île à vache a une disposition qui prend pour nous desservir l'île à vache. Nous dans l'Artibonite avec 37 autobus, côté toute commune là, département d'Artibonite yo desservi. Nous dans le nord avec 46 autobus, toute commune hier nous avons fait un grand coup. Malgré difficultés et contraintes, nous avons réussi à inaugurer 16 nouvelles régions l'année dernière. Par exemple, l'année dernière, nous ouvrions Rouge, Terre-Neuve, Ranquitte, La Victoire, Capotille, nous Jean Bélan-Mais, dans Lagonave l'année dernière. Nous faisons Bélance-Marigot dans le sud-est. Dans la Grandance, nous faisons Roseau, nous faisons Duchiti. Parce que Duchiti, en principe, dépend de la commune de Pestel. Vu configuration zone là, nous sommes obligés d'avoir un service spécial Duchiti par rapport à la commune de Pestel. Plusieurs responsables de l'école nationale dans la région métropolitaine Port-au-Prince disent au paré pour rentrer l'école là, 3 septembre et Cap Vinela. Responsable ça a demandé tous les parents, voyez Timoun yo l'école depuis 1er juin, y a une façon pour yon suivre le programme calendrier scolaire ministère à bail pour l'année académique 2018-2019 là. Falande Delphin à Kervé Pierre pour un reportage. De vacations, d'après directrice là, la montagne Myrlène, qui profite et remercie le ministère de l'Éducation nationale qui accompagne pour réouverture l'école là. Depuis quelques temps, nous étions dans une situation qui était vraiment difficile, mais qu'on a nous a dit que qu'il y a un espace qui est assez aéré, tout le monde a bien chita depuis janvier dans l'espace là. Donc c'est toujours avec le même sentiment ça que. En pile retouche qui est en fin de fête, nous avons dit que nous parions pour nous recevoir Timounio le 3, puisque nous n'avons pas vraiment gagné une grande difficulté. L'École nationale République Argentine, qui vient pour recevoir bon côté par 800 Timounio, sorti premier pour la 6e année fondamentale, déjà a travers l'assainissement qu'a fait dans la cour de l'école ça. D'après le directeur de l'École nationale de la République argentine, Dani Léveillé, travail ça après poursuivre pendant tout le week-end. Il y a une façon pour permettre à Simon de joindre un bon espace pour apprendre pendant l'année académique. Là. Nous commençons à faire assainissement, c'est-à-dire faire nettoyage. Et pendant le week-end, le côté mérite un petit couche peinture, nous avons fait. Et nous avons nettoyé le secteur départemental. Il dit que l'État fait toute possibilité pour si y a un temps bas, une première tranche avant la semaine qui va venir. En soit mercredi, la semaine qui va venir. Donc, et nous n'avons pas fait gros bagaille. Mais nous avons fait une façon pour nous recevoir Timounio, en tant qu'à Vigno, pour nous mettre l'école en belle, parce que quel que soit côté depuis les patriotes, bon, pas de bagaille. Respecter calendrier scolaire, c'est un principal objectif directeur de l'École nationale. Dans le cas de validation, inscription postulant, cap gain pour participer dans le concours d'admission dans l'Université de l'État haïtien, une équipe de télévision nationale d'Haïti visité mercredi 29 août là, l'École normale supérieure pour voir comment le processus de validation a déroulé. Hertelou Marie Dieudonne et Henri Robert Chéri, Abdi non plus. Ça a environ 3 semaines depuis l'École normale supérieure, il fait qu'on est à créer un moyen qui permet aux élèves qui étaient composés dans la session extraordinaire de valider l'inscription. Et si nous regardons entre semaine dernière et la semaine, nous sommes capables de dire que par jour, nous recevons environ 200 personnes. Or, si nous regardons semaine dernière, la première semaine de commencer, pour la semaine, nous avons fait en tout 60 personnes. Nous avons une grosse progression qui fait.
entre semaine dernière et semaine ça n'a pas passé dans l'école normale supérieure nous-mêmes. Dans l'école normale, nous prévoit pour nous capable fin prendre pièce 16 septembre dans cas régulier. Mais puisque nous connaissons que difficulté qui présentait sous site là par rapport à ensemble de l'autre problème technique site là présenté, ça fait que après nous fin prendre pièce pour une formelle le 16 septembre, n'a pas une semaine de plus qui a fini 23 septembre pour ça les cas spéciaux. Donc nous dit tout le monde qui gagne pièce yo dégage vin inscrit pendant journée hein, pour si l'un qui te vient déposer pièce yo pas de cacher satisfaction yo sous qualité service yo joint dans UNS là yo te profiter parler tout de objectif yo qui s'est réussi concours admission hein, et puis intégrer faculté a ça qui permet yo utile pour moi te fait sérieux VT comme c'est si mon nouveau secondaire moi donc m'te trouve continuer parce que moi mes matières. Comparativement à Kinage qui mette bout à processus validation li vendredi 31 août 2018 là, l'école normale supérieure a bien pour boucler troisième étape inscription li 16 septembre qui a venu là. N'a pas rappelé concours admission entité UEHA fixé pour 30 septembre 2018 là. Commission spéciale qui a analysé dossier Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan a travaillé avant longtemps pour le remettre rapport par le bureau Sénat. Secrétaire rapporteur commission, sénateur Dieudonné Étienne Luma, confirmé rapport sous commission qui a vérifié pièce PM nommé Jean-Henri Seyan dans l'immigration et l'archive l'appareil. Pour qu'on y ait le remettre commission, donné pour compiler avec l'autre pièce pour remettre rapport avant longtemps. Yo extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. En dans commission spéciale et moi-même avec collègue Sénatus, nous t'ai chargé de sous-commission qui pour vérifier de véracité document que ont ban nous par rapport à deux institutions et c'est la Direction générale des impôts et les archives nationales. Donc effectivement avec en présence de un cadre technique que vous avez mis au service de commission hein, nous avons fait toute étape ça yo et là jodi nous pour remettre rapport d'étape ça à commission spéciale là, ça veut dire rapport sous commission pas nous hein, à commission spéciale là, pour permettre que et bien, yo capable avancer en dedans et yo capable avancer avec rédaction de rapport définitif sous analyse dossier Premier ministre nommé. Sauf que nous encore en attente et de quelques documents, c'est des bails qui étaient archivés, ça veut dire que c'est dans l'autre site que DGI gagne que l'a fait recherche là pour nous. Et matin encore, nous avons eu une communication avec le directeur général là, qui va nous garantir que le plus rapidement possible, il a fourni nos documents et nous profiter de ces institutions pour qualité rapport et collaboration que nous avons eu dans le cadre de travail. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu connaissance que le cabinet a joué le bureau Sénat, ou du moins si le bureau a gagné commission pour qu'on gagne, mais j'aime dire nous, ça que nous gagnons là aujourd'hui comme information, c'est que l'étape avance et dans le plus bref délai, n'a pas même pour nous faire bailler la population rapport définitif. L'autre point, président Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti, Gré, Imler Rebu, expliqué parlementaire, yo, pas gain provision légale pour demander vérification et analyse, dossier personnalité qui a gagné pour former. Kap... Nous-mêmes, dans Gré, nous connaissons, le président a une nomination, nous automatiquement pris en charge de dossier. Je dis à nous par contre qui premier ministre, il y a une nomination présidentielle, mais qui en attente, il y a une qui a liquidé les affaires courantes après qu'il finisse de démissionner, et c'est un produit constitution amendé. Et je dis à autant de parlementaires, du faut que voyez papier, tout le monde qui prend le ministre pour analyser avant. Vous avez dit, un monde qui dit qu'il peut vérifier son monde capable de ministre, il bien raisonné. Mais il n'y a pas pris une décision dans l'État, son coup de tête. Qui boit la loi dit ça? Qui boit la loi dit en fonction de qui loi
parlementaire qui là pour faire loi pour pays, qui provision légale yo gagne pour yo mandé ça au mandé. Nous pas dit ça au mandé pas juste. Mais ça parlement a tout simplement prend disposition li gagne pour le prendre et c'est à signaler une faute constitutionnel et légal que le président de la République qui a fait ça, ou bien par erreur, ou bien une volonté pour tromper le Parlement ou pour tromper la population. Sous notre salle, nous prenons l'autre pause dans le journal à soi, nous prenons un petit moment. Nous allons poursuivre avec le Sénat République qui lance appel candidature pour combler deux postes qui vacants dans la Cour cassation. Intéressés au capable de déposer pièce dans le Sénat, sorti 3 pour arriver 8 septembre et cap vini là. Président Commission Justice et Sécurité Sénat fait qu'on est intéressé au besoin yon quinzaine de pièces. Yon extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Nous venons aujourd'hui justement pour nous dire à tous les amis magistrats, avocats, commissaires du gouvernement qui t'a voulu porter au candidat pour poste juge à la Cour de cassation que le Sénat de la République, autorisé par le président Joseph Lambert, lui lancé un appel à candidature pour les gens qui t'a voulu venir porter à partir de lundi 4-3. Septembre pour arriver vendredi 4-8 septembre. Parce que volonté nous au niveau de la commission, c'est permettre au premier lundi du mois d'octobre, qui a marqué la réouverture des tribunaux, que nous guettons arriver, joindre deux juges pour nous le président, qui va permettre la Cour de cassation rentrer au complet dans l'année judiciaire. Là. Donc c'est un dossier qui est extrêmement important pour nous, dans la mesure où un pile dossier a souffert au niveau de la Cour de cassation, section réunie n'est pas qu'à prendre siège parce que pas y a assez de juges. Donc nous invitons tout magistrat, tout avocat, tout monde qui est intéressé, qui a une qualification pour ça, suivant ça la loi dit, pour porter pièce Jovini à partir du 3 au 8 septembre Capvinla pour être capable de remplir poste vacant au niveau de la Cour de cassation. Pour la Cour de cassation, je deux juges, le processus là, c'est un, nous devons soumettre pièce ici. Pièce que vous demandez pour soumettre, c'est faire preuve de nationalité avec l'administrateur fiscal. Vous demandez si vous avez ou géré dans l'État, il faut que vous ayez des charges de gestion. Et puis, vous avez papier baccalauréat 1 et 2, licence en droit ou du moins diplôme qu'on gagne de l'école de la magistrature, certificat de barreau si vous êtes avocat. Maintenant, avec toute pièce, ça, deux photos et une lettre de motivation, nous-mêmes, nous allons analyser au niveau de la commission. Encore une fois, engager, ça veut dire une enquête de proximité auprès sous carrière et personnalité moun sa yo kap vin déposer pièce yo ba yon rapport à assemblée a voté moun sa yo et puis pour le voyer moun que le vote a ba président lui même pour le transmettre yo ba CSPJ pour une question relé vetting certification pour garder est-ce que moun sa yo c'est pas des moun qui gagne un problème est-ce que pas de passeport qui dans traitement dossier yo au niveau du parlement une fois moun sa yo passé cap vetting au niveau du CSPJ y a voyé le président républicain encore pour le capable faire nomination. Jeudi 30 août l'a expliqué parmi proposition sa yo commission a montré nécessité pour ta gagner modification qui fait dans régime politique là d'après député Jerry Tardieu au lieu de premier ministre ta doit gagner yon vice président député Pétionville là Jerry Tardieu t'a répondu question Serginho Lindor. Je dis à Mville là pour me parler de propositions que nous faisons. Même dans les mecs, même dans la société civile là, qui d'accord avec ça nous proposer, ils prennent bâton pèlerin, ils allent dans toutes les médias pour expliquer pays, société, qui bien fondé propositions que nous faisons. On démarre d'entrée de jeu, la commission a proposé pour changer le régime politique. Ça lui dit qui ça? Ça veut dire que le régime qui l'a bout, système qui l'a bout, pays bout, constitution bout. Après 31 ans, nous pensons qu'il faut changer le système. D'abord, il faut changer le régime politique. Pour qui ça? Parce que ça n'a pas marché. Il n'a pas marché pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ils sont capables de dire qu'il y a un système hybride qui a un petit côté hypocrite là-dedans. Au grand président,
changement de régime ça pour le fait que le président ne soit plus mineur. Ça veut dire que s'il te fait ça pas ça pendant son pouvoir, eh bien, il a bien pour le rendre compte de ça. Son premier acquis, il est capable de dire pour rétablir une certaine équité et une certaine justice dans le système politique qu'a dirigé nous. Un. Deuxièmement, les nous retirer le régime ça. Ça veut dire nous remplacer le premier ministre ça par un vice-président. On a bon président, un vice-président. Un peu comme aux États-Unis, en République dominicaine. Ils ont fait campagne ensemble, sous base d'un projet, une vision, un rêve que vend le peuple. Eh bien, avec le régime ça, l'avantage qu'a gagné, c'est que nous éliminer espace marchandage qui gagne les ratification premier ministre, les déclarations énoncées politique générale. Côté une série de parlementaires fourrer koyo pour faire négociation tête en bas, souvent à des fins inavouées, puisque au fond, c'est imposé pour essayer d'imposer des ministres qui ne peuvent pas venir gérer la question de l'État. Mais qui pourra venir gérer question par règne. Ça veut dire député ou sénateur qui mette ou qui fait mette ou là. Eh bien, son minorité de députés à sénateurs qui fait ça. Mais c'est Parlement qui paye le prix. Parce que ce nouveau régime, nous va ranger les choses. Le Parlement va rester fort, mais il va rester cantonné et campé dans ces doubles prérogatives qui sont, un, de contrôler l'exécutif sans complaisance, et deux, de légiférer, ce qui est le double rôle dévolu à un parlement. Est-ce que le parlement parle d'accord à Chédan Abouchi? L'obligé. L'obligé parce que le parlementaire, ça va le voter, il n'y a pas qu'à garder ça bon pour vous, il faut garder ça bon pour le pays. Et il y a deux bagages qui conditionnent un vote. C'est le sentiment, j'en vois question, mais c'est aussi l'opinion publique. Moi, j'étais persuadé, Serginho Lendo, en juin et septembre 2019, opinion publique là tellement favorable à rapport à ça, à proposition ça que nous faisons, en pile d'un député avec sénateur, pour ne pas dire la majorité et même la totalité, pour aller voter pour ne pas payer à l'autre régime, on l'autre système, pour l'autre Haïti. Office protection citoyen organise un atelier consultation sous plan action nationale pour mettre en application recommandation mécanisme droit moun dans le pays d'Haïti. Atelier droit moun dans le pays d'Haïti. Relever des défis qui gagnent et puis envisager solution tenant en débat d'après protecteur citoyen. Pour connaître que l'OPC, c'est une institution nationale de protection et de promotion des droits humains. Et en notre qualité d'institution nationale de protection des droits humains, nous appelons à travailler avec le secteur des droits humains. Donc, nos partenaires privilégiés, eh bien, ce sont les ONG des droits de l'homme. Donc, nous ne sommes pas capables d'évoluer sans eux. Et c'est peut-être ça que nous avons organisé et atelier ça, côté que gain plus d'une trentaine d'organisations de droits humains, d'horizons divers, et organisations de femmes, organisations Timon, organisations qui protéger les gens handicapés et les personnes âgées. Donc tout le monde s'est réuni dans l'hôtel Mariotte pour nous voir comment que nous sommes capables et d'abord analyser la question des droits de l'homme. Garder qui défi qui gagne par rapport à la question des droits de l'homme, qui ça fait que nous ne sommes pas capables d'avancer réellement. Et une fois que nous identifions les défis, pour nous voir comment que au niveau de ce secteur-là. Atelier, consultation, ça. C'est un travail classique que nous allons faire, c'est un travail méthodologique que nous allons faire, c'est un travail démocratique que nous allons faire à travers des ateliers, côté que nous allons identifier certains défis en matière des droits de l'homme. Maintenant, en termes de retombées, et c'est une occasion pour nous capables de soumettre des cahiers de charges, des cahiers de situation en matière des droits de l'homme, qui pourraient présenter photographie situation des droits de l'homme non, aux autorités étatiques. L'État a trois rôles pour jouer. Premièrement, rôle de l'État, c'est faire respecter les droits de l'homme. Deuxième rôle de l'État, c'est faire protéger les droits de l'homme. Et troisième rôle de l'État, c'est faire la mise en œuvre de droits de l'homme, c'est-à-dire prendre des dispositions, envisager des solutions, prendre des mesures concrètes, créer l'école, créer l'hôpital, bailler la population de l'eau potable, diminuer l'insécurité. Donc tout ça, c'est des bagailles que l'État lui-même a pour devoir pour le faire. En matière du respect de la protection des droits de l'homme, comme on le dit souvent, la responsabilité, elle est toujours partagée. Atelier ça, c'est l'occasion pour présenter différents... Honneur et Méritlan réalisé jeudi 30 d'août là dans Pétionville. John Herbie Casseus, Michel Joseph.
C'est dans l'idée pour encourager GFOR sénateur Jean-Renel Senatus a fait pour permettre la population plus en sécurité sur route dans le pays. Responsable stop accident nommé sénateur l'Ouest la personnalité sécurité routière mois août 2018. D'après dirigeant stop accident yo, sénateur l'Ouest la c'est un parlementaire qui toujours a fait plaidoirie sur dossier. Si notre existence se trouve entre les mains de ceux qui font la loi, il est maintenant grand temps de demander à nos augustes parlementaires ce qu'ils ont fait et comptent faire pour protéger nos vies et nos biens sur les routes nationales et au cœur des villes. Où sont les lois exigeant les travaux publics à entretenir les chaussées? Où sont les lois contraignant les mairies à placer les panneaux avertisseurs et les sémaphores? Où sont les lois sur le transport en commun? Où sont les lois sur les taxis motos qui blessent et tuent quotidiennement les pauvres citoyens? Où sont les lois sur les vitesses à parcourir? Sus Dili prend note de revendication responsable stop accident. Yo. Li promet pour continuer à mener bataille sur sécurité routière dans le Parlement. Moi, ma tête pour mission, a pris que nous avons moyen pour me transformer en texte de loi, pour me transformer en exercice de contrôle parlementaire que nous avons fait. Texte de loi que nous avons pour amender. Texte de loi n'a bien pour nous proposer. Pour gagner plus sensibilisation qui fait sous affaire sécurité routière dans le pays, responsable stop accident ou proposé pour l'État mettre date 4 août là comme journée sensibilisation sécurité routière en Haïti. Grand rassemblement pour évolution Haïti Gré présenté jeudi 30 d'août là. Bilan dépenses parties en fait sorti septembre 2017 arrivé août 2018. D'après tout président Gréa, Himmler Rebu, parti a dépensé un total 3 650 730.33 goudes. Pendant les indiqués ont déjà remettre rapport dépensio by ministre économie et finance et puis la justice et sécurité. Environ 4 motocyclettes qui pour permettre la mobilité messager nous à travers la capitale là, et très certainement au niveau des premières coordinations de la province. Il y a une série de bagages qui acheté et quand on tente avec chaise pour permettre si Patia a fait une activité que ce soit dans la capitale là, que ce soit dans la province, donc il dispose d'une série de moyens internes pour le cap faire parce que le nous a fait expérience pour des réunions à louer et bah ça yo nous comme ça yo énorme gagne des fois gagne des locations qu'on monte dans presque 30 000 gouttes pour une utilisation une seule fois. Donc nous devons prendre décision de préférence acheter des tentes, acheter des chaises pour nous diminuer les dépenses permanentes. Nous devons obliger présider à réparation certains locaux, par exemple nous avons un local de l'ENIP que nous avons loué, mais nous sommes obligés de faire des réparations là-dedans. Nous avons des réparations dans le local central Patia qui était monté à 118 105 gouttes. 78 000 gouttes. Nous avons des frais de salaire pour l'époque que nous avons parlé qui montaient à 187 250 gouttes et nous avons des subventions que Patia bail pour des activités qui fait au nom Patia en province qui était monté à 15 092 gouttes. Ça qui balançait en total de 3 650 730 gouttes 33. Chers téléspectateurs, n'a prend dernier pause dans journal là, n'a tenu. Martine Moïse, jeudi à dans le lycée Pétionville. Dans l'occasion 4e journée conférence spéciale, dans le cadre de rentrer l'école là, ministère communication recevoir jeudi 30 août là, directeur compagnie transport scolaire Dignité à Romuald Pierre. D'après déclaration, toute disposition déjà prend pour assurer transport immune l'école yo gratis pour année académique 2018-2019 là. Sénat République l'a lancé à candidature pour combler deux postes dans la Cour cassation intéressé au capable à déposer pièce dans le Sénat sorti 3 pour arriver 8 septembre cap vini là et puis avant longtemps rapport commission spéciale cap analyser dossier premier ministre nommé à Jean-Henri Seyon ab disponible c'est garanti secrétaire rapporteur commission en sénateur Dieudonne Étienne Luma by jodia.
C'est tout ça que déposé pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'avez prêté nos attention. Merci à tout le monde qui t'a rendu journal ça possible. Nous souhaitons passer une bonne soirée avec Télévision Nationale.